Salut les amis, c'est Kickoff. Et oui, on va parler de Black Mirror saison 5. Sinon, vous serez pas là. La saison 5, je vais être assez rapide. Parce qu'il n'y a que 3 épisodes d'environ 1 heure. Voilà. Putain, il est pas mal ce petit t-shirt sportif. Hein. On cache la marque. Épisode 1, thème, c'est sur le thème jeu vidéo, on devient des zombies et du coup il pose la question jusqu'où peut aller la réalité virtuelle. Alors c'est grave stylé, c'est bien fait, mais l'épisode n'est pas ouf, c'est pas surprenant, c'est pas trop what the fuck quoi. Voilà, c'est simple. Ensuite l'épisode 2, bof. Très bof parce que le jeu d'acteur j'ai trouvé très moyen, mais j'ai adoré le concept, vous allez me reconnaître. Donc la police et le FBI qui enquêtent sur un gars et ils ont aucune info sur le mec. Et en fait en 2 minutes, le réseau social de cet épisode, il donne toute sa vie du mec en 2 minutes, voilà, on sait tout. Donc du coup ça montre un petit peu le problème des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Qu'on peut rapidement voir toute ta vie. Et puis la fin de l'épisode, elle est moins travaillée, tu vois rien, tu sais pas trop ce qui se passe. Il te rajoute des images sans sens, sans explication, c'est un peu fouillis. Donc du coup, très bof. Et l'épisode 3. Ah, l'épisode 3. Je trouve que là, la série, c'est le meilleur de la saison. C'est le meilleur de la saison parce que je retrouve la série. J'adorais l'histoire, le concept, je vais pas vous donner les détails. Mais du coup, saison 5 Black Mirror, il n'y a que l'épisode 3 qu'il faut garder, le reste, poubelle quoi. Donc la saison est assez bof par rapport aux autres, mais ça s'explique un petit peu, on va dire, même si je trouve ça scandaleux, surtout qu'il n'y a que 3 épisodes. C'est qu'en fait, ils ont tourné la saison 5 en même temps, à peu près en même temps qu'ils ont fait leur épisode interactif qui était Bandersnatch, un truc comme ça. Et donc, c'était pas cette saison 5, c'était pas la priorité, c'était leur truc interactif qui était la priorité. Au final, j'aurais préféré qu'ils fassent l'inverse. Du coup, la saison, elle manque de punch. Voilà, c'est pas top. Donc voilà, saison 5, regardez que l'épisode 3, les amis. Oui. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Ciao!